Générique. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, j'ai plein de fringues à vous montrer. Alors, pourquoi? Où est-ce que je les ai achetées? Où est-ce qu'on... En fait, je les ai pas achetées, c'est juste que là, cette semaine, il y a ma sœur qui fait son déménagement. Donc, vendredi, samedi, j'ai dormi chez elle, on a fait les cartons, etc. Dont un tri de fringues. Donc, toutes les fringues que je vais vous montrer, c'est les fringues qu'elle ne veut plus. Je vais les essayer devant vous. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'il y en a, j'hésite, franchement, j'hésite. Donc voilà, donc on va voir si c'est un top ou un flop. Je vais commencer par me mettre de côté du coup parce que je vais vous montrer les images où je porte les vêtements ici. Ok, donc on va commencer premier vêtement. Tout est par terre en fait, donc je vais tirer au hasard. Alors, cette robe, en fait, elle est bien, elle va bien au corps, mais le problème c'est qu'elle est un peu trop simple et j'aime pas trop la couleur. Mais ça fait longtemps qu'elle l'a, mais j'aime pas trop la couleur, donc à donner. Ok, donc ça... Alors ça franchement, parce qu'en fait faut savoir que j'ai pas beaucoup de robes de couleur. En fait j'ai noir, blanc, un peu de rose pâle, mais c'est tout quoi. Et ça je suis contente parce que du coup c'est du kaki, donc une autre couleur, donc je suis contente. Mais ça franchement j'aime bien. Donc à garder. Alors ce t-shirt, je le trouve un petit peu... Il est de bonne matière franchement, il est confortable. Mais je me vois pas porter ça parce que c'est un peu trop simple. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu simple, je sais pas. Non, peut-être que ma mère ou ma grand-mère va kiffer, donc à donner. J'ai fait une bêtise en le lançant. Ah bah merde alors. Ah. Ok, alors ce haut. En fait là je suis mitigée. En fait, genre les petites fleurs et tout, c'est pas ce qui me ressemble. J'en ai des trucs à petites fleurs, mais en soi c'est pas ce qui me ressemble. Je vais voir si ma famille en veut, sinon je le prends. À donner pour l'instant. Alors ça franchement, ça pourrait être mignon. Ma soeur l'a jamais porté, ça se voit. Il y a toujours l'étiquette. Mais... je sais pas, en fait, je crois que j'adore le kaki, mais là, ça fait plus vert sapin, tu vois. Genre, ça fait un peu plus Noël. Et j'aime pas trop cette, je sais pas, cette matière, je sais pas. À donner. Alors ça, c'est une chemise blanche, simple. Mais le problème, c'est qu'elle est en XS et moi, je fais du S. Et des fois, ma soeur porte du XS ou du S, mais là, elle a pris en XS, donc c'est un peu trop petit pour moi. En général, les petites chemises comme ça, je fais un petit nœud en bas, mais là, même pas, parce qu'elle est trop serrée, donc de toute façon. Donc, à donner. Alors, cette petite robe... je suis mitigée. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je la garde ou pas. Parce que je suis mitigée parce que je la trouve magnifique. Mais d'un autre côté, c'est pas moi. Bah après, vous me connaissez pas assez, mais moi, même ma soeur me l'a dit. En fait, elle est magnifique, mais le problème, c'est que c'est... je sais pas, c'est pas moi. Et il y a un petit problème, c'est que... je sais pas si vous allez voir, mais elle fait des petites peluches comme ça. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais en soi, je vais voir. Si ma famille n'en veut pas, pourquoi pas, j'envisagerai de la garder. Mais à voir. Ok, alors ce petit haut... bah j'aime bien le rose pâle, mais après je suis assez pâle du coup ça fait... t'as l'impression que je suis nude, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais le problème c'est que j'ai pas compris en fait l'histoire des... j'ai pas compris. Alors peut-être que ça s'attache dans le dos, je sais pas, c'est bizarre, ça risque de se décrocher souvent. Non, je sais pas. Non, à donner. Alors ça, c'est trop serré. Je vous dis que j'ai galéré à l'enlever, genre vraiment, genre j'étais en mode comme ça, j'étais... putain, il est passé où mon père? Parce que mon père était au travail, donc du coup, bah, il ne pouvait pas m'aider. Donc je me suis un peu démerdée seule. J'aime bien le côté, en fait, manche évasé. J'adore ça. Mais par contre, je trouve qu'il tombe. J'aime pas là où il tombe et en plus, il est pas agréable du tout à porter. Non, à donner. Alors cette robe, je la trouve trop belle. Mais en plus, j'ai la même en or, donc c'est pour ça que je dis ça. Je la trouve trop belle. Ma soeur, elle la voulait pas parce que je crois qu'elle aime plus trop ce qui est moulant. Je crois que c'est ce qu'elle m'a dit. Mais voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça m'en fera une en grise, donc... à garder. Mais alors par rapport à ce jean, il est en marron orange, tu vois, il est entre les deux. Et moi à la base j'aime pas l'orange, mais là ça va, ça tire un peu plus sur le marron, le brun. Enfin le brun, le marron. Et j'hésite parce que je sais pas. Je pense que je vais peut-être pas oser le mettre. Donc franchement j'hésite. Ouais non mais... ah j'hésite, on va voir si quelqu'un en veut. À donner. Alors ça, ça pouvait le faire, mais je trouve ça quand même un peu trop simple. Moi j'aime plus les trucs un petit peu, bah, je sais pas si vous voyez, mais genre ça, bon c'est crop top et tout, mais je sais pas. Ça je trouve ça un petit peu simple et j'essaye d'éviter le noir. Ok, je vais peut-être garder des vêtements noirs, mais j'essaye d'éviter le noir parce que pendant des années, je me suis trop habillée en noir ou en blanc, surtout noir, que maintenant j'essaye de changer, de prendre de la couleur. Donc voilà, donc à donner. Alors cette robe, mais j'en suis fan, genre elle est trop belle, j'adore les robes en dentelle, j'adore la dentelle en fait. Et je sais pas, je la trouve trop belle. Et j'aime bien le côté épaule d'une idée, comme j'adore ça.
Et non, franchement, je l'adore. Le problème, c'est qu'elle est hyper, hyper serrée. Ça doit être... Ouais, c'est du XS, je fais du S. Donc, c'est hyper serré, mais c'est pas grave. Et petite astuce pour ce genre de robe, j'ai dû l'enfiler par le haut, mais l'enlever par le bas, parce que sinon, c'était pas possible. Je serais restée coincée. Donc, non, franchement, je l'adore. Elle est... Je l'ai... Il y a aussi la noire. Donc, voilà. Donc, non, franchement, j'adore cette robe, mais juste, elle est hyper, hyper serrée. Mais bon. À garder. Du coup, dans la foulée, je vous montre la noire également. Non, franchement, j'aime trop. Mais pareil, elle est... ma soeur l'a pris en XS, donc elle est tout autant serrée. Voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si vous préférez la blanche ou la noire, du coup, sur moi, si ça va mieux la blanche ou la noire. Parce que c'est vrai que ça, je ne sais pas du tout. À garder. Alors, cette petite chemise-là, je sais pas quoi en penser. Parce que j'adore les chemises et tu fais un nœud et puis je trouve ça stylé. Mais le problème, c'est que quand je fais un nœud, on voit le bidou. Donc en général, c'est plus pour printemps-été. Mais le problème, c'est qu'elle est à manches longues. Donc je vais avoir chaud. Et j'aime pas trop les rayures, les couleurs, etc. Donc, non, je vais donner. Allez, je vais donner. Alors ça, pareil. En fait, d'un côté, j'aime trop la coupe. Genre, je trouve que ça fait femme et tout, etc. J'aime trop la coupe. J'aime bien le petit côté nœud sur le côté. Bonne matière et tout. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est un petit peu grand. Pourtant, ma soeur, du coup, elle est plus petite que moi. C'est du XS. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu grand. Mais moi, j'ai un problème avec le orange. Je déteste le orange, j'ai un problème avec ça. Ça va mieux avec les années, mais je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec le orange. Du coup, rien que pour le fait que ce soit orange, à donner. Ces chaussures-là, je les trouve très mignonnes. Franchement, très mignonnes. Par contre, ça prend les poils, hein. Il y a plein de poils qui se collent au... Ah, c'est la matière, ok, des fleurs. Ça, c'est un peu chiant. Et franchement, je crois que vous l'avez vu dans la vidéo, mais en fait, genre, c'est quand même assez fin. Et genre, je faisais ça. J'ai pas l'habitude, c'est rare. Enfin, c'est rare, ça existe. Enfin, j'en mets jamais. De talons assez fins comme ça. Et je sais pas. Si j'arrive pas à marcher, je les donnerai, mais pour l'instant, je les garde. À garder. Ce pull, je l'ai vu trop de fois ma soeur le mettre. Et du coup, je dis, vas-y, c'est bon, je lui dis, ça a fait son temps et tout. Et je l'ai quand même voulu laisser pour voir. Et j'aime bien ce côté, en fait, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu simili-cuir sur les épaules. Mais. En fait, je crois que c'est que je suis trop en manque de pulls, genre j'en ai pas assez, comme vous avez peut-être dû voir dans ma vidéo room tour, ma dernière vidéo, et que j'ai pas beaucoup de pulls. Et donc, du coup, je pense que peut-être que je vais le garder temporairement, parce que comme ça me fait un pull, et puis j'aime bien ce petit côté épaule, mais je pense que c'est pas. J'ai pas le coup de cœur, quoi, mais bon. À garder parce que j'ai pas assez de pulls. Alors, ce crop top, ma soeur, elle a mis H24 quand elle était plus jeune avant, et je lui disais tout le temps, oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, et tout, machin. Et elle me le donne enfin! Donc je suis contente, franchement je suis grave contente, j'aime bien. Ah j'aime bien, je garde, je garde, je garde. Alors ça, cette chemise, elle est trop épaisse. En fait, beaucoup trop épaisse. Je peux même pas faire de nœud, je pense. Non, non, ça c'est franchement c'est trop épais, c'est pas mon style, donc à donner. Alors cette robe électrique, mais waouh, je l'adore. Comme je vous ai dit, j'ai que des robes blanches, noires, etc. Vous voyez, j'ai la même en blanche. En fait, on l'avait fait les magasins avec ma soeur, on l'avait pris en blanc pour moi, en jaune pour elle et en bleu électrique pour nous deux. Elle a fait son temps, elle l'a gardé un temps, maintenant c'est à moi de la récup. Donc, non, franchement, je la trouve super jolie. Et ça me fait enfin de la couleur dans mes robes. Voilà, à garder. Alors, par rapport à ce haut, en fait, il faut savoir que le bleu et le jaune, c'est ma couleur préférée. Donc, j'adore les hauts jaunes, en fait. Mais le problème, c'est qu'il est un peu trop simple. Il est un peu trop simple et j'aime pas les manches. Genre, qui s'arrêtent comme ça et tout, c'est pas mon truc. Mais ouais, par contre, c'est confortable, mais le problème, c'est que c'est vraiment qu'il est trop simple, donc, à donner. Alors cette robe franchement sur ma soeur elle était pas ouf parce que ma soeur elle est un petit gabarit, elle est en A en fait mais elle a le creux, bah vous avez compris. Et du coup ça lui est pas trop, ça volait un petit peu. Moi qui ai un petit peu plus de forme niveau ventre, techniquement ça me colle plus. Mais après j'aime pas trop trop le côté épaulette, genre j'aime pas trop trop côté épaulette. Mais du coup au final j'ai testé avec une ceinture et je trouve que ça rend beaucoup mieux, en fait j'aime bien finalement. Finalement, j'aime bien. Au début, c'était pas mon truc, mais après, je me suis dit non, franchement, les motifs ça change. Et en plus, avec la ceinture, ça fait classe. Non, bah, du coup, bah, je garde. Je suis sûre que ma soeur, après avoir vu cette vidéo, elle va se dire, mais je croyais qu'elle aimait pas. Mais elle est sérieuse. Alors, ce petit haut, franchement, je le trouve grave mimi. J'aime trop, je le trouve trop mignon. Mais le problème, c'est que tout ce qui est fleur, liberty, ça me ressemble pas. Ça fait petite fille, je sais pas. Ça me ressemble pas. Mais d'un autre côté, je le trouve hyper chou. Donc, j'ai besoin de vous dans les commentaires à me dire si je valide ou pas. Pour l'instant, je vais garder ce que je trouve ça quand même mignon et après on verra si finalement je le porte ou pas cet été. Alors cette petite robe, je me souviens ma soeur elle l'a portée pendant longtemps, je la prenais et tout parce que moi j'avais pas de robe quand j'étais plus jeune. Parce que j'ai mis, ça fait que 2-3 ans que je mets des robes, avant j'en mettais pas, c'était pas mon truc.
Mais du coup, deux fois, je lui ai emprunté parce que j'en avais pas. Mais là, maintenant, ça a fait son temps, je la trouve hyper simple. En plus, j'aime pas trop le col le col, j'aime pas trop le col comme ça. Donc, ouais, à donner. Ah, va falloir encore m'aider dans les commentaires parce que cette robe, je suis mitigée. En fait, genre, quand ma soeur l'avait mise, je dis, moi, elle bof et tout. Mais après, en fait, en la voyant sur moi, je me dis, bah, franchement, pourquoi pas? Après, j'ai peur que ça fasse un petit peu enterrement, tu sais, la dentelle noire et tout, genre, c'est tout noir. Mais d'un autre côté, j'aime bien. Donc, pour l'instant, franchement, je vais mettre à garder et on verra. Alors, j'ai voulu tester parce que c'est de la couleur et c'est Bordeaux et j'aime bien le Bordeaux. Mais en fait, c'est hyper simple et le problème, c'est que c'est large. Et comme j'ai dit, moi, ça me va surtout. Enfin, on m'a toujours dit que ça m'allait mieux le côté moulant que le côté t-shirt large comme ça. Non, franchement, je trouve ça trop large. Je sais pas, je vois bien ma grand-mère avec ça. Pas en mode elle a des goûts de grand-mère, mais en mode elle aime bien le Bordeaux. Nickel. Bah, du coup, j'ai le même problème avec ce petit haut. Il est noir déjà, donc j'essaye d'éviter le noir. Bon, j'ai mis la robe de côté qui était noire, mais bon. J'essaye d'éviter le côté noir, mais c'est le seul truc original qu'il y a en fait. Et sinon, c'est trop simple, donc à donner. Alors, ces chaussures, alors faut savoir. Alors, le problème avec ma soeur, c'est qu'on dit les fringues, c'est nickel et tout, on peut se les échanger. Bon, des fois, elle fait du XS, je fais du S, voilà. Mais côté chaussures, elle fait du 36 et moi du 37,5-38. Donc, c'est un peu compliqué niveau chaussures, donc on est grave deg. Mais ces chaussures, je sais pas pourquoi, elles sont grandes en fait. Enfin, genre, elles me vont. Donc, franchement, je suis contente. Mais le problème, c'est que c'est vrai que, par contre, elle m'a dit, le problème, c'est que vu que là, c'est élastique, et eh ben quand tu marches, ça a tendance à. Tu vois? Donc, c'est un peu trop large. Mais bon, au pire, je vais demander à mamie si elle peut mettre un petit point pour que ça soit moins élastoque, quoi. Mais sinon, je les trouve magnifiques. Genre, les semelles, j'adore. Donc, franchement, ah, je suis contente. À garder! Alors, ça. Ouais, bah c'est pareil, en fait, le problème, c'est que c'est large. En fait, ma soeur, elle a 10 000 vêtements comme ça, mais de couleurs différentes. Et je lui dis, mais Julie, arrête! Je dis, ok, j'ai compris que t'aimais ce genre de vêtements, mais arrête d'acheter les mêmes en 10 000 couleurs différentes, parce que une fois qu'il te plaît plus, bah tu enlèves toutes les autres couleurs. Donc en fait, ça te fait 10 000 achats pour rien. Enfin bon. Bref, le seul côté pareil original, c'est juste le petit dentelle en bas. À donner. Ah bah, je la voyais noire, en fait, elle est bleu marine, donc c'est encore mieux. Alors, j'aime bien le haut. Genre juste parce que c'est push-up. Mais pas en mode c'est pour avoir plus de néné, tu vois. Mais c'est juste en mode j'aime bien le côté bombé comme ça. Mais après le côté ça, non, ça fait un peu tutu. J'aime pas trop 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 trop. Je trouve. Et non mais j'aime. Non 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 non. À donner, à donner, à donner. Ok, donc franchement, j'espère que vous allez m'aider dans les commentaires à savoir quelle tenue j'aurais dû garder, quelle tenue j'aurais dû donner, si finalement ça me va pas, si là, comme je vous ai dit, la robe noire elle est mieux ou la robe blanche, etc. Enfin bref, dites-moi tout dans les commentaires, j'ai besoin de vous quand même, c'est pour ça que je vous sors cette vidéo là le mercredi, parce que le lendemain, je vais apporter les vêtements à donner à ma mère et ma grand-mère, donc j'ai besoin de vous d'urgence. Donc voilà, en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, et puis bien sûr ici, et ainsi tu lâches un like si tu as aimé cette vidéo, parce que je te jure qu'elle m'a pris grave du temps le fait de faire tous les essayages, je laisse tomber. Merci beaucoup, et ben je te fais des gros bisous, et à samedi, parce que je vais essayer de sortir des vidéos tous les mercredis à 14h, et tous les samedis à 14h. Franchement, c'est le défi que je me donne. Mercredi 14h, samedi 14h, et voilà, basta. Donc on se retrouve samedi à 14h, et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao!